Jacques Magdelaine, famille plantée à géranium. Ça fait, on est moi-même, je suis la troisième génération à faire des huiles essentielles. Ça fait mon grand-père qui a fait géranium, mon papa qui a fait géranium. Et ça fait moi-même la diversité. Moi aussi, ben, planté à géranium aussi. Et nous la diversifier. Ça fait nous en huile essentielle. Là, ici, on est situé à 1400 mètres d'altitude. Hein. Ça fait nous faire à peu près une dizaine d'huiles essentielles. Ça fait nous faire géranium, nous fait cryptomeria, du camp, du eucalyptus, du romarin, du cyprès, tout ça. Ça fait, on fait toutes les plantes d'orange qu'on trouve. Comme la médecine en aromathérapie se développe. Beaucoup de gens se soignent aux huiles essentielles, mais ça fait, on fait plusieurs huiles. Mais sinon, géranium, on le fait depuis des années et des années. Et ici, à Maison du Géranium, c'est-à-dire c'est un mini-champ en présentation, la variété de géranium qu'on plante ici à La Réunion. Et ça fait géranium. Ça fait, tout le monde l'appelle géranium. Mais en fait, c'est pas un géranium, c'est un pélargonium. C'est le Pélargonium graveolens. C'est-à-dire c'est un croisement entre deux variétés de pélargonium, Capitatum et Radens, qui ont donné cette variété de pélargonium, Pélargonium graveolens, qu'on appelle tout simplement Géranium rosa, parce que son essence rapproche plus à celle de la rose. Parce qu'auparavant, on distillait de la rose en métropole. Et l'huile essentielle, et on appelait ça la rose de Damas. Et l'huile essentielle de rose, c'est 30 000 euros le kilo. Et comme l'huile essentielle de rose était tellement chère, ça fait les parfumer, ils ont essayé de trouver une plante qui donne une huile essentielle qui rapproche plus à celle de la rose. Et ils ont découvert cette variété de géranium-là. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Géranium rosa. Ici, c'est-à-dire, c'est, et là c'est des alambics tout en cuivre. Ça fait depuis son introduction à La Réunion, ça a toujours resté des alambics comme ça. Mais aujourd'hui, on ne fait plus des alambics en cuivre, on fait des alambics en inox. Là, on a un grand qui a une contenance de 1000 litres et on a un petit alambic aussi à côté. Et à côté, on fait du romarin, tout ça par exemple. Et là, cet alambic-là a une contenance de 1000 litres. 1000 litres, c'est-à-dire, avant de mettre du géranium dedans, on met 250 litres d'eau à l'intérieur de la cuve. Ensuite, on rajoute un croisillon de bois qui fait 50 cm de hauteur. Et sur ce croisillon de bois-là, on rajoute un plancher de bois. Parce qu'il ne faut pas que le géranium baigne dans l'eau. Après, on met les 250 litres d'eau et on fait un bon fuste en dessous. Et quand l'eau commence à bouillir, c'est là qu'on commence à mettre le géranium dedans. Et ensuite, là-dedans, on fait entrer en 300 à 350 kg feuilles et branches de géranium à l'intérieur de la cuve. Une fois qu'on a mis les 300 à 350 kg, on prend le fumier de géranium, ça fait, on fait un joint tout autour du cercle. Et ensuite, on rajoute le couvert. On rajoute le couvert et on bloque bien avec 4 serre-joints, comme ça, il n'y a pas de fuite. Parce que s'il y a des fuites, l'eau et l'huile, ça va partir de la forêt derrière. Après, c'est-à-dire là-dessous, comme il y a un bon feu, la vapeur d'eau passe entre la masse végétale, qui entraîne l'huile essentielle, ça monte sous forme de vapeur. Et arrivé dans le refrigérant, ça fait la condensation. Ça fait la vapeur d'eau devient l'hydrolat. Et la vapeur d'huile devient l'huile verte. Et ça fait les deux liquides. Tombe dans l'entonnoir. Et l'essentiel, ça c'est l'essentiel, c'est une bouteille qu'on a cassé le fond. Ça fait les deux liquides arrivent dans le vase. L'huile, comme elle est plus léger, elle monte dans la bouteille. Et le trop-plein d'eau, ça va dans un seau devant. Et après, quand la cuite était. Ça fait une cuite de géranium. Une fois que ça commence à couler, en 2h30, on arrive à extraire toute l'huile essentielle qu'il y a dans le géranium. Contrairement à cryptomeria, une cuite de cryptomeria, il faut compter 15 heures de temps pour extraire toute son huile essentielle. Voilà. Après, une fois qu'on a tout distillé, en général, c'est une coopérative qui récupère toutes les huiles essentielles de l'île. Et cette coopérative, l'île revend ça à la ville de Grasse, comme toutes les grandes parfumeries se trouvent à Grasse. En général, on fait géranium. Oui. Géranium, on le fait depuis des années. Et le géranium, c'est ça, en fait. Ça fait nous-mêmes, on est une troisième génération à le faire. D'accord. Géranium. Voilà. Et la variété de géranium qu'on plante ici à La Réunion, c'est-à-dire elle est originaire d'Afrique du Sud. Originaire d'Afrique du Sud et la première culture a été faite du côté Côte d'Azur, Grasse. Ça fait le géranium, ça fleurit, mais comme c'est une hybride, c'est-à-dire ça ne fructifie pas, ça ne donne pas de graines, ça fait la multiplication, se fait uniquement par bouture. Et ça fait du côté Côte d'Azur, Grasse là-bas, ils conservaient les boutures sous serre et ils sortaient les boutures depuis printemps. Ça fait qu'ils mettaient ça en terre et ils faisaient deux récoltes dans l'année. Nous, on a commencé à planter ici dans les Hauts-de-l'Ouest à partir des années 1920. Et entre les années 1920 jusqu'à les années 1980, on avait 15 000 hectares plantés en géranium. 15 000 hectares, ça a commencé depuis dans les Hauts-de-Sainte-Marie jusqu'à dans les Hauts-de-Saint-Joseph. Ça fait sur tout ce versant-là, était couvert de géranium. À La Réunion, ici, vous savez, on a la côte au vent et la côte sur le vent. La côte au vent, on ne peut pas le planter parce qu'il pleut presque tous les jours.
Et aujourd'hui, sur toute la Réunion, il reste entre 80 et 100 hectares géranium. Et ça fait les personnes qui font du géranium aujourd'hui, c'est plus les anciens. Ça fait les gens qui sont à la retraite, ça fait c'est fini. Ça fait nous, on tient toujours par rapport, on fait plusieurs huiles essentielles. Et puis, on a une petite boutique artisanale à côté, ça nous permet de tenir. Mais si on faisait uniquement géranium tout seul, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté.